Eh bien, bonjour à tous, je sais tous d'être très bien, c'était Lucas le best. Dans son joli pur, l'épisode numéro 8 de notre let's play sur Pokémon. Sacred God, les gens, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien, on avait battu la reine de Blanche qui nous avait posé quelques problèmes. On s'était fait un peu axer, on va pas se mentir. On avait aussi axé, hein, mine de rien, mais on s'était aussi fait sacrément axé. Et Kradopo avait bien carry, on peut le dire, avec son Focus Blast qui avait fait d'énormes dégâts. De Blanche. Il était vraiment monté dans mon estime pour le coup, le petit Croagunk là qui a vraiment fait un taf assez démentiel, on va pas se mentir. Le Fluffy du coup qui est toujours là, l'équipe n'a pas changé hein, de toute façon. Rhinocorne qui m'emmerde de plus en plus, mais je sais qu'il va être fort en Rhinastone donc je dois prendre mon mal en patience, hein, c'est comme ça. Mais pour le moment, c'est une sacrée bouse, je pense qu'on peut le dire. Voilà à tous. Tant qu'il n'aura pas pris d'attaque roche ou sol, de toute façon ce sera une bouse, hein, clairement. Ah mais je sais comment on découpe la radio. Ouais, je le ferai en off peut-être ça. Pour l'instant j'en ai plus rien à foutre. Je ferai ça en off, hein, je pense. Il y a des combats duo ici. Hein, c'est la merde. Combat duo. On va mettre qui d'ailleurs en combat duo? On va peut-être mettre des Pokémon qui sont à la traîne niveau level. Espeon et Rhinocorne. C'est pas que Rhinocorne monte de niveau un jour, monte de niveau et après il attaque un jour, bien sûr. Ça serait sympa. Ça serait sympa en tout cas. Hein, parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu plus de la merde. Hein. Mais bon. Pas se mentir, c'est comme ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils envoient? Et Floravol. Alors le Hoot-Hoot, Rhinocorne s'en charge logiquement. Et le Floravol devrait pas kiffer le Power Gem d'Espion. Il devrait pas kiffer le Power Gem d'Espion, le Floravol. Et c'est carrément one shot. C'est pour niveau 24 pour ou plus 4 en attaque speed. Ça c'est pas mal ça. Et brouhaha sur Espion, j'imagine. Ouais. Ok. Le Stomp qui fait d'énormes dégâts, le Combusken qui devrait bien ne pas apprécier du tout le choc mental. Hein. Voilà, c'est du one shot. Le Roi qui fait kiki relou, mais bon. Et le Noirfang. Allez, on va faire ça plus Power Gem, ça devrait, je pense, tuer. Voilà. L'Espion qui aura bien été affaibli, malheureusement. Mais il y a le parc naturel pas très loin, donc c'est pas grave. Les badges d'arrêt sont mignons, je les collectionne. Enfin, sont beaux, je les collectionne. Ouais, mais écoute, ça serait bien déjà que tu puisses, avant de penser à collectionner des badges, que tu puisses avoir un niveau pour les avoir. Parce qu'on a du mal un petit peu à y croire après la précision que tu nous as proposée. Que t'as le niveau pour avoir les badges d'arène, hein, surtout dans cette gomme. Hein. Rhinocorne qui se prend des. Qui va se prendre. En vrai, je pense qu'il peut. Excusez-moi. Je pense qu'il peut gérer le sablette en vrai. Allez, les petits flinches là, ça serait pas mal. Hein. Et là, c'est ça. Oh, météor. Ah, trop bien. Allez hop. Est-ce que tu vas prendre une attaque Évidemment, statique fonctionne. Hein. Bizarrement, statique fonctionne là. Sur mon énergie, ça marche pas. Sur les autres, l'énergie ça marche. C'est pas un coup de sport, c'est bien. Allez, une attaque s'il te plaît, une attaque seule, broche, ce serait bien. Que dalle. Merci à tous. Je suis en train de penser en plus que Rhinocorne va être useless complet hein, pour la quatrième arène à ce rythme. J'ai tué devant ma petite amie, mais c'est bien. Mon petite amie est faible là. Je ne peux pas. Relay. Je sais plus ce que c'est dire, relay. Ouais, dommage. Pitch. Ok. Et à ce rythme, le Rhinocorne va être useless pour l'arène, hein. C'est réel. Et le reflet, c'est chiant ça. Ou c'est chiant. Allez. Pas de chance avec la paralysie là, c'est bon. Ok. Je peux plus compter sur mon Pokémon que sur mon.
copain, eh bah c'est bien, on s'en fout. Bon, par contre, le jeu a bugué, hein, c'est pour vous. On va pouvoir reset, du coup, hein, vous connaissez les chansons, de toute façon, enfin, la chanson plutôt maintenant. Vous connaissez la chanson? Et là, tout est rentré dans l'ordre, voilà. En fait, l'énergie, en vrai... Je vous avoue que j'ai de plus en plus de doutes sur l'énergie dans la team, hein. Il me déçoit. Après, en tant que pharaon, peut-être qu'il me décevra plus. Voilà. Et voilà, il ne fait rien tout piqueur. On va switcher sur Bulbasaur, mais là, il a piège, c'est ça? Pas du tout, il a pas piège. Il a fait tuer. Voilà, peut-être qu'il one-shot. Il est où? Je vais endormir, en vrai. J'ai sludge. Ah, c'est 2 HKO sludge. Après, il est que niveau 20, c'est vrai, mais... Je suis quand même étonné que ça 2 HKO. Ah, merde, par contre, je suis en train de faire... Ah oui, je me fais full axe, la gueule. Bon, j'ai compris, je vais switcher. Parce que sinon, on n'a pas fini. Trop gagne, voilà. Allez, ça va marcher. Voilà. Voilà. Bon, si c'est accéléré, mais vous dérange, je n'hésite pas à le dire, mais... j'accélère pas vraiment les combats importants, donc... soit. Ou l'énergie qui n'a encore servi à que dalle, hein, c'est pour vous. Hein. Okay, je vais switcher. Il a bouffé mal, il a bouffé mal, ça c'est relou. Niveau 24 on va voir Ivisor, je veux dire, pas du tout. On va voir plutôt Ivisor. Par contre, ce serait bien que tu ne rates pas tes attaques. Merci. Allez, on va envoyer Rhinocorne en vrai. Vas-y, fais roulade si tu veux. Ça enlève 0. Okay, on s'en fout. Le Voltorb qui a encore une finale. Hein. Du coup, on va envoyer un Père Bizarre. Je pense que le sludge devrait le tuer. Ouais, c'était. Ah, j'ai cru que ça allait kill shit. Et j'ai choke, j'aurais dû sludge. J'aurais dû sludge. Mais c'est moi qui ai sauvé les Ravolos. C'est moi. Non, merci, hein, ouais, c'est ça. Merci beaucoup, ouais. Par contre, j'ai pas de type O, hein, donc lui là, avec ses magmar, il m'emmerde. Hein. Faudrait que je sonne Rhinocorne, en vrai. Ouais. Je vais soigner Pokémon. Je vais soigner Pokémon en fait, hein. C'est possible. Hein. Voilà. Toi, même chose, hein. T'as besoin de te faire soigner. Hop, le Mentali aussi, le Cradopo aussi, et on est bon. Voilà, du coup, on va être Rhinocorne en first, et on va le faire affronter le mec, là, avec ses magmars, là. Et là, Coradon, ça va s'activer, hein, c'est pour vous, hein. N'en doutez pas sur l'instant. Coradon va s'activer, hein, c'est cool. Hein. C'est cool, c'est pour vous. Et il a pas du tout le Pokémon que je croyais. Il doit avoir une finale, hein, je pense. Pas du tout. Eh, Magmar. Oh non, non. Allez. Ok. Niveau 25. Après une attaque, s'il te plaît. Rock Blast. Ah bah, enfin une attaque roche. C'est pas une attaque roche que j'aime beaucoup, mais. Ça reste une attaque roche. Une attaque roche. Hein. On voit Scary Face en vrai. Quoi. Ça reste une attaque roche. Donc en soi c'est bien. Enfin il va devenir utile. Il ne sera pas inutile contre la quatrième arène. C'est ça que ça veut dire. Et ça c'est nice. Ok, Rock Blast ça fait plaisir quand même parce que. Alright. On va tester d'ailleurs avec Rock Blast pour le coup.
va tester avec Rock Blast pour voir ce que ça donne. Ok. Paras. En fait, il a des petits plans lui, donc ça peut potentiellement être nul. Je crois que j'attaque avant, ouais. Ouais. Bon, ça devrait être 2 HKO. Hein. Voilà. Bon, forcément, les dégâts sont plus présents. Hein. Ah, voilà. Ouais, il est enfin utile. Hein. Il est enfin utile. Hein. Ça me plaise. Ah oui, c'est vrai que les arbres et coupes ont sauté, là. Ok, ok, un peu légèrement derrière. Ok, bon, on voyait l'après, par contre. Ok, alors on coupe ici. Ok. Bon, Rhinocorne, ça fait plaisir. Il devient enfin utile. Une pierre lune, ok. Commandez-vous l'unité de Rhino, évidemment. C'est ça la vraie question qu'on va se poser. Hop. Ok. Et en bas, il doit y avoir des noix grumes de mémoire. Hydorane, bah tiens, c'est marrant, il y a une pierre lune et il y a Hydorane juste là, ok. C'est marrant ça. Ah, ok, ok, ok. Là, il y a un objet. C'est représailles. Donc, c'était correct, mais je crois pas que ça profite à qui que ce soit dans la team. Cradopo peut la prendre, je pense, mais... C'est pas non plus le boussole. Là, c'est le jeu concours de capture, je veux dire. En vrai, c'est pas mal pour avoir un sécateur, je pense. On profitera de la musique du parc naturel, ne vous inquiétez pas. On va y aller, de toute façon. Ok, on va soigner notre Rhinocorne qui... Bah, bien combattu pour le coup, hein. Je suis fier de lui. Je suis fier de lui. Ok, toi t'es le photographe, c'est ça ? I'm Cameron, ok. On va prendre une petite photo, hein. Écoutez, une petite photo c'est pour vous. Hein. Voilà, voilà. C'est merci à tout ça. Ok. Ok. C'est pour vous. Hein. Ah bah voilà, celui avec son tartare. Waouh. Je le sens. L'étincelle dans tes... Twinkle. L'étincelle dans tes yeux. Je sais plus ce que c'est dire Twinkle. Mais bref. Ok. Ton Rhinocorne est bien un Pokémon. Oui bah... Il est prêt à participer au Pokémon. Ah bon? C'est... Je vous suis, hein, monsieur. C'est le Pokéalcon Dome, ouais. Ouais, Enfin, en gros, il complimente, quoi. C'est une bonne surprise, hein. De voir un Pokéclète avec un... Avec beaucoup de potentiel, toujours un plaisir. Magnus. Alors ici, ils vendent plein de trucs de mémoire, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant. De mémoire. Ah, j'ai pas... Merde. ok. Y'a pas des objets à ramasser ou quoi? Je pense pas. Pokéflon, c'est sympa en vrai. Hein. Pour avoir déjà essayé à l'époque, c'est sympa. Bon, on le fera pas, bien sûr, dans le cadre du let's play, vous vous doutez bien. Mais franchement, c'est sympa. C'est marrant. C'est pas un truc de ouf non plus, mais c'est marrant.
Ok. La musique à terre est sympa. Ouais, d'accord. Pas un peu la flemme, hein. Je me rappelle qu'elle venait là. Pour passer au Pokéathlon, hein. Moi, je fous des vents, moi, au... Je fous des vents à Joey, moi. J'en ai rien à foutre. C'est pour vous, hein. Ok. J'ai pas lu, hein. J'ai pas lu. J'ai pas lu. C'est vrai que les prix sont pas mal en vrai, je vais faire des voir. Non. Je veux voir les prix là, s'il te plaît. Ah voilà. Ah, des noix brumes, ok, des pierres. Des super bonbons. Ah, des pierres, des super bonbons, ok. Ok, ok, c'est pas dégueu. Y'a quoi en bas? Ouais, pas grand chose en vrai. Ouais, y'a un os sur un petit qui est là. Ok. Bon. On va aller au parc naturel maintenant. Bien. Allez, je vous laisse profiter de la musique, hein. Tout comme moi d'ailleurs. C'est toujours un plaisir ici. Ah, le Pokéwalker, c'est vrai. Cette musique est incroyable quand même, hein, faut le reconnaître. Picture taken, encore. En vrai, ouais, tant qu'à faire. Hein. On accélère un petit peu quand même. Voilà. Je crois devant pour en avoir jusqu'à 36 hein, des photos. Donc on a un peu de la marge quand même. Il y a Tété qui me donne la vie grise, c'est pas toi par le plus grand des hasards. Voilà. Je vais donner un Rhinocorne en vrai. Hein. Il en a besoin. Voilà. Allez, toi là. Toi t'as. T'es qui toi? Qu'êtes-vous? Beverly. Alors moi c'est une grand bulle. Beverly, t'es pas dit Beverly là. Grand bulle, c'est relou. Hein. Allez dégage. Voilà. Cradopo contre les normales, il est fort. Elle avait que Snubbull hein, dans le jeu normal. Je vais à Marie là. C'est grand bol que t'as là. Hein. Sans doute t'as la page. Hein. Ok. Je sais plus quel Pokémon il a, le Pokémon.
Blaster. Bon. Je pense que je vais switcher, hein. J'ai Suspect. Hop. Salut. 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 Il a tenu. Allez. Il est 25 Wespion qui prend que dalle. Hein. Skitty. Voilà. Eh oui, Watt. Hein. Ouais, Watt. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a des dresseurs qui sont. Où là? Oui, il y a toi déjà, ça c'est sûr. Ça, je m'en rappelais. Il y a toi aussi. Mais t'es pas un dresseur, toi. Ok, il est en train de courir et de se Pokéwalker. Ah, il escalade ici, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, il escalade dans le jeu, hein, bien sûr. Mais bon, y a pas de... les Pokémon sont pas l'air... ont pas l'air de ouf, hein, en vrai. Hein. Ouais. Hein. Ah, t'es pas dresseur toi? What the fuck? Par contre là lui Ah lui c'est pas tout à fait pareil, c'est mieux. Mais si t'es un dresseur, en fait. Ok. Junior, Horn Blast. Salut. Simularbre. J'ai envoyé mon truc. Vas-y. Ouais, c'est bon. Hop. J'ai pas vu le combat, mais le Pokémon gagne le prix du plus mignon. Ouais, d'accord. On s'en fout, hein. Nirondelle. Hello, pourquoi tu me regardes? Oh, bon, comment? Ok, donc encore un Oddish. Oui, tout d'abord, en vrai, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Storm Sport, en fait. Vraiment. Bon, ce qui est passé. 27. Les Glom, Dread Punch, je veux dire. Ça. Allez, niveau 26 ça. Putain, mais sérieux, hein. Bon. De mort, faut... Ouais, faut faire le tour en fait. En vrai, je préfère encore plus la musique du jeu originel du parc naturel que celle-là. Celle-là est très bien, hein. Mais la musique du jeu original est encore mieux, je crois. Je vais voir. C'est pas d'objet là. Pas d'objet. Sérieux? Par contre, ce moment-là est très bien. Ce moment-là est très très bien. Oula, excusez-moi pour le reflet. je me suis un peu déplacé et du coup ça provoque un reflet. Désolé. C'est dehors. C'est... Il n'y a pas de PC ici par contre. Excuse-moi, pas de PC ici par contre, ça c'est chiant ça.
Et je peux me soigner. Non, moi, il y a un PC de moi aussi. Or et argent, il y en a un. C'est sûr. Ici, il n'y en a pas. Bon. Et donc toi, t'es un petit psy, toi. Je vais mentally, en vrai. T'as l'énergie qui c'est l'énergie, le boulet, maintenant. C'est plus Rhinocorne, c'est l'énergie. Allez, je pense que Bite, ça devrait tuer. Voilà. Par contre, si vous avez ces gardevoirs, je rigole. Hein. Ok, c'est one shot. 27 post-péon. Un niveau 26, pardon. Post-péon. Ok. T'as sac de nœuds dans le jeu normal. Je vais mettre coup d'avance. Voilà. Oh, et au niveau 21, j'ai pas tilt. Et Quagsire qu'il a. Il a déjà Quagsire à ce stade là. Okay. Normalement, c'est Orimatch qui a Quagsire. Allez, l'air bizarre vient par là. Le mode bombe qui miss, c'est fâcheux. Allez hop. Voilà. Ok, bon, du coup, il y a le simulabre qui est là. Est-ce qu'on va essayer de l'attraper en vrai, ouais, parce que mes niveaux Pokémon, je suis comment? Ouais, je suis pas ouf, mais ouais. Bon. Bon, bah écoute, on va essayer de l'attraper. Hein. Ok. On va l'affronter, on va l'attraper, c'est pour la symbolique un petit peu. Hein. Simulable, c'est symbolique dans or et argent. Ah oui. Il attaque. Et on dit bonjour au chien, bien sûr. Il vient m'emmerder. Niveau 25, ok. Il vient m'emmerder comme son habitude, évidemment. Par contre, le niveau 25, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Ça. Ah oui, non, voilà. C'est ça. Pas de bonne nouvelle, tout ça. Ah, je suis juste de sludge. Hein. Parce que Cut, ça peut tuer. T'as les dégâts qu'il m'a mis à l'aide. Ah oui, oui. Ok. Comment ça va, merde. C'est pour vous. Il a tout honoré ici. Par contre, là, on va s'en aller. Putain, mais il fait du travail. Il doit avoir une bonne. Il doit avoir une bonne nature. Une bonne nature pour l'attaque. Hein. Ok, allez, on peut commencer à lancer. Moi, c'est le Pokéball en vrai. Ça passe. Ça passe. 100%. Faut dire que ça rentre. Écoutez-moi. Écoutez-moi, voilà, je vous ai dit que ça allait rentrer du premier coup, ça sert du premier coup. Je sais pas. Voilà. Allez. Ok. Bah, c'est bien. On est content. Mais non, je préfère Rhinocorne, donc je vais pas le prendre dans la team. C'est bon. C'était fun, ouais. Ah non, on me donne le pot de B, c'est pas ça. Béoran, ok. Pécha. Allez. Par contre, on va. Toi, tu me donnes éclat, toi, ça. Ouais. Non, pas du tout. Ah bon. Bon, je sais, Machi, mais on se retrouve juste après. Parce que du coup, là, on a débloqué Mauville, hein, le passage pour Mauville. Donc, on peut aller soigner sa team tranquillou. Et on se dit à tout de suite. Ok, du coup, nous voici ici. Le similar était quiet, hein, donc c'est plus attaque spéciale, moins vitesse. Voilà, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Voilà. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir se rendre vers Rosalia pour conclure l'épisode. T'es pas dans le jeu normal, toi aussi.
Ou alors j'ai tout oublié, hein, ce qui est possible, ouais. Ok, casse-brique. Ouais, c'est... Non, c'est pas comme ça qu'on obtient de mémoire. Hein. Ok, ok. Nice. Nice. C'est ça. Voilà, toi, voilà. Allez, l'énergie, fais quelque chose pour une fois dans ton existence. Ça serait bien. Les dégâts de Thundershock, par contre, sont pas mal. Dévorez-vous. On s'emmerde, hein. Hop. Le mec, il a dévoré, quoi, au calme. Encore, ça aurait été Mortimer, j'aurais capté, mais là... un dresseur random... Un dresseur random, bof bof, quoi. Un dresseur random, bof bof. Ok. Ah merde. Le problème c'est qu'il ne rend pas mon énergie. Ok. Bon. Rhinocorne vient ici et toi tu as tapé un gros fire blast sur les dégâts. Ah mais oui. Une fois, non. Évidemment. Bon, là, non, je devrais te tuer. Voilà. De 28 pour couille là-bas. Bon, le chemin pour Ratifoso est encore long. Hein. 36, c'est pas tout de suite. Mais, c'est pas mal. Alors, Caligature, bah, ça reste dans deux niveaux en fait. C'est pour ça, Caligature, bon. Voilà. On l'a très très vite la ligature. Quoi. Encore un combat de jeu. Je vais mettre Air Bizarre en vrai. Allez, on accélère un petit peu là parce que on est déjà à 34 000 vidéos. Enfin, il y a eu une coupure donc un peu moins. Ouais. En vrai, le type feu était bien. Presque mort. C'est ça, Slipodeur ça marche en vrai ou pas? Je sais plus. Est-ce que Slipodeur marche en 4G? Je sais plus. Séisme! Le mec il lâche un séisme au KLM, quoi. Starmie! Je crois que là on atteint un niveau de foutage de gueule inouï, hein. Bah ouais, le critique c'est juste. 26 pour Air Bizarre. C'est 32 Air Bizarre par contre, contrairement à la collection. Évolution. Ok, le cut. Le cluster. Qui devrait ne pas apprécier du tout la power gem. Cluster, voilà. Et qui protège, d'accord. Ok, le recover, merci à tous. C'est un set stratégique hein, de Starly qui nous est proposé là, bien sûr. Le chien, ta gueule là. Merci. Voilà. Hier, j'ai tourné l'épisode précédent hier, hein, enfin, hier, non, temporellement parlant, donc on est le 15 mai aujourd'hui. Hier, c'était le 14 mai. On était vendredi, hein, du coup. J'ai eu beaucoup plus de. J'étais tranquille parce que sa maîtresse n'était pas là. Ce chien n'aboie qu'après sa maîtresse et là, c'est une particularité qu'il a. C'est différent de certains autres chiens qui aboient quand les maîtres sont absents, justement. Lui, c'est le contraire. Et du coup, quand du coup elle est pas là et qu'elle travaille, on est peinard. Le problème c'est que bon, la semaine je travaille, donc pour tourner des vidéos j'avais le temps, c'est parce que là j'ai pris le pont de l'ascension. J'ai jamais peinard pour tourner des vidéos. C'est mal un petit peu là le Kenos, je vais attraper cher juste pour ce Kenos. Voilà.
Hop. Et on arrive à Rosalia, une ville que j'apprécie particulièrement. Quel enfer! Quel enfer! Quel enfer, quel enfer. Dorina. Bah, allez. Direction Rosalia, du coup. On va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode, bien sûr. En vrai, on va quand même aller au centre Pokémon, parce qu'il se passe un truc. Et la prochaine fois, du coup, on fera, eh bien, quelque chose que j'aime beaucoup dans ce jeu. La tour cendrée. Donc, voilà. On fera la tour cendrée, et je pense qu'on va passer un bon moment. Et je suis Léo. Tous les systèmes pour PC, on sait, oui. Oui, tu vois, le système. Plus facile d'utilisation. Ok. On va se mettre notre team en vrai. Et on va parler aux gens dans ce Pokémon parce que à chaque fois, il se passe des choses dans ce Pokémon. Voilà, et bon, là, forcément, il n'y a plus de starter à proposer. Hein. Donc, évidemment, on ne nous en propose plus. Mais. Voilà. Ok, donc, apparemment, il n'y a pas grand chose qui a l'air de se passer ici. Hein. Ouais, non, c'est les mêmes PNJ que dans le jeu normal. Ok, bah écoutez, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode 8 de Sacred God, les gens. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir, bien sûr, ainsi que le commentaire si vous avez quelque chose à dire. Le pouce bleu, bien sûr, pour le référencement. La prochaine fois, on fera la tour cendrée, du coup. La tour cendrée, simplement. Et on fera peut-être aussi le début de la reine, là, si tout va bien. Il me semble que les kimonos ne sont pas affrontés dans Sacred Gold, enfin dans Heart Gold, avant la fin du jeu, enfin avant la fin du jeu, avant la fin de Johto. Donc si ma mémoire est bonne, ce sera pour tout de suite. Allez, ciao, bye tout le monde, c'était LK, le best.